Pas les blueberries, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé, il y a eu un problème sur le troisième épisode de ce truc là. Rattraper le PSG en le QSG en 2 ans, comme on le surnomme. Ça s'est bloqué. J'ai oublié d'enlever le truc audio du jeu et ils m'ont bloqué. Il y a eu des bugs sur YouTube. Voilà. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai pas encore sorti le suite. Puis là, je suis au moment, peut-être que vous voyez la vidéo en plein bac blanc. Je suis en train de réviser au moment que je la tourne, donc je prends un peu de temps, voilà. Mais pour moi, personnellement, donc je suis un peu stressé. Bref, voilà, on va peut-être pas bien jouer. Mais voilà. Par contre, c'est la première fois que je me retrouve en tenue pas décontractée, quoi. Bizarroïde, ce José. Je suis pas décontracté, en tenue c'est bizarre, d'habitude c'est plus décontracté là, non. Mais bah, voilà, allez, avec la composition d'équipe, Jason tu vas jouer à la place de Kenny Tété, on va faire quelques changements tactiques après la Coupe d'Europe, malgré qu'il essaie l'Olympico, Cyprien tu laisses la passe à voir, qui on va pouvoir mettre Donc il y a quelques joueurs comme Marcelo que je veux vendre, hein, ça sert à rien, Gorgelin, allez, Sectil, j'aime pas le joueur, Moral aussi. Peut-être Marsal en défense centrale à la place d'Anthony Rudiger, ouais, allez, pourquoi pas. Cheick Diop aussi, je pense que je veux le vendre. J'ai mis sur les extras, ça me semble, lui aussi. Bref, avec Nico Pepe, tu vas laisser ta place à Dembélé. Maxwell, oui, il est Maxwell. Ah, Maxwell Cornet, voilà. Tu vas jouer. Il y a un peu trop au milieu de terrain, il y en a deux attaquants, il y en a deux. Memphis, tu vas jouer à la place de Fekir Lys. Nabil, non, j'allais prendre Yacine, il se ressemble tellement. Oui, il est Nabil, notre capitaine qui va à la place de lui. On a du très très offensif sur le banc. Logique, ouais. Bon, bref, les instructions, c'est toujours pareil. Ah non, lui, non. C'est un nom BD qui reste derrière, voilà. Bref, le capitaine sera du coup Anthony Lopez. C'est logique. Et juste Marcel Denayer, voilà, en inverse. Enfin, droite à droite, à gauche. Bon, Denayer, on peut jouer à gauche. Hein. Lyon, il joue à gauche. Quand c'est une défense à deux, parce qu'il peut faire les deux, mais Marcel joue à gauche dans la défense à trois, donc on le met à droite, à gauche. À mon avis, Denayer serait peut-être meilleur à droite, je sais pas. Bref, allez, tout de suite, le coup d'envoi. Voilà, on se retrouve, on se retrouve pas les meilleurs moments de ce match. Sous la pluie, un peu, quelques gouttes, on s'en fiche un peu. Allez, hop, c'est parti. L'Olympico. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Quand même 2, 2, 2 et 1, 3. 3, 5 changements on a quand même fait. Hein. Payet, oh, bien joué Anthony. A vrai dire, je voudrais bien que Marseille perde sa match là dans ce FIFA là, comme ça virtuellement moi Medeni pourra casser une télé à qui je fais un petit coucou Momoeni. L'homme aux 23 télévisions cassées au moment où je tourne la vidéo. Et... Oh là là, et voilà. Et voilà. Quand je disais que ça sentait pas bon. Oh putain, carton rouge en plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Changement tactique direct. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah... Manière en immunité, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on revienne. Avec Kenny, il est gauche ou droite lui. Vitesse 118, accélération 67, non, bon, mec, qui était des... Et ouais,
On va jouer comme ça. Et t'étais en défense centrale, voilà. Je vais pas autre chose. Bon bref, allez, on jouait mal, on n'a pas été capable, on jouait 10. Ferland est exclu. Non, arrête le jeu, arrête. Ah, oh non, je veux le parc à pénalty. Quand même. Memphis, oh! Dembélé, Memphis. Allez! Vas-y, Memphis, il tire. Peut-être cool. Oh là là, Maxwell. T'as pas juste à côté. Deux minutes de bonheur en plus, comme dirait Stéphane Guy. Ah, son cher Habib. Ou à son cher Eric Carrière. Dépend avec qui il commente. Allez, joue vite. Mais arrête, mais... Oh, je rêve ce jeu de bâtard, là. Allez, on fait des changements, c'est pas possible. Dembélé, tu m'emmerdes. Changement à l'entrée de Nicolas Pepe. Et la sortie de Dembélé. Sortie de Tanguy Ndombele, remplacé par le capitaine Nabil Fekir. Voilà. On joue plus qu'un milieu de terrain, je sais. Mais voilà. On est obligé. Lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Voilà, bien joué Nabil. Raphaël. Oh, voilà comment se faire contrer. Il y a hors-jeu par contre, monsieur l'arbitre. Là. Bien joué Anto, bien joué. Maxwell Cornet. Oh! Allez là, on doit pas perdre des points. Là. Sortir un peu. Ouf. Allez, bon mais c'est n'importe quoi ce jeu. C'est n'importe quoi. On n'a pas honte de perdre l'Olympico là. Oh mais c'est n'importe quoi. Hop. Bien joué Anto. Je comprends. Je comprends les potes qui revenaient autant. Allez. Allez. Voilà, on a perdu, on va voir les conséquences au classement tout de suite et puis on se retrouvera pour tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc voilà les conséquences au classement, on est 6ème, hein, on est quand même à 8 points de la première place, hein, on a perdu 3 points encore. Vraiment deux défaites qu'on n'aurait pas dû prendre. Voilà, c'est pas grave. On se retrouve pour le match face à Nantes. Le match de Dijon, je vais jouer tranquille et on se retrouve après tout de suite. Donc voilà, on a gagné une petite victoire 1-0 face à nos amis Dijonais, but de Nicolas Pépé. Bref, ouais, j'ai pas pu faire mieux. J'étais nul encore. Il a fallu de la chauffe. Ça allait mieux vers la fin. J'ai mieux joué quand même. Mais bon, voilà. Allez, là, il va y avoir des très 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 grosses échéances. C'est pour ça qu'il y a quelques gros matchs. Hein, Nantes au classement qui est devant nous. Voilà. Mais en vrai, c'est un très gros match pour l'OL. Pas un très énorme, mais là. Oui, dans le jeu, mais même en vrai, c'est un gros match. Pas un énorme, mais voilà. Après, il va y avoir la Ligue des Champions dans une prochaine vidéo face au Shakhtar et le Paris Saint-Germain juste après. Donc, ça fait des très 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 grosses
échéance et il va falloir gagner tous les matchs. Voilà. On se retrouve pour les meilleurs moments de cette rencontre. Allez, Rafa. Ouh! J'ai peur. Champion rugby, désolé. Bon, allez, bref. Enfin, ça va mieux, on dit. Mais, la parade de Lopez. Mais voilà. Attention quand même. Coup du rouge. Bien joué, bien. Regardez. Et c'est passé. Nicolas Pépé dans la surface. Nicolas Pépé vers... C'est qui? Willan Cyprien. Il a dit que je changerais peut-être le numéro, je ne l'ai pas fait. Willan Cyprien. C'est illogique, hein. Ouais, l'arabe pourtant, en plus je joue sans timing finish, moi j'ai horreur de ce truc. Ah, elle est trop courte. Des grosses échanges comme je disais, donc ça va être très très dur. La pause. Alors on a tiré deux fois, on a marqué, on n'a pas la possession. C'est pas grave, pour l'instant on tient, c'est le but. Si on gagne tous les matchs 1-0, même en vrai si je vois l'OL gagner tous ces matchs 1-0, bon ça serait... C'est-à-dire que le match serait nul ou que l'OL raterait trop d'occasion, mais bon, moi je signe. Bon, à l'heure de jeu, on fera les changements. Hein. Je vous préviens. Attends, la pépé. Foot. Et ben voilà, les changements. Avec la sortie de Tanguy Ndombele. Entrée d'Oussem. Non, de Kevin Tier. Sortie d'Antonio Rudiger. Remplacé par Jason Denayer. Et la sortie de Nicolas Pepe. Remplacé par Bertrand Traoré. Applaudissements s'il vous plaît. Allez Traoré. Ouf. Abdulmadjid Waris Kakalinic Kanikilic. Pardon, j'arrive pas à le prononcer. Allez. Centre. Ouf. C'est quoi cette erreur? Oh, la parade m'a opposé d'Anthony Lopez. Bien joué, Anto. Allez, je t'en prie, il tire. Bien joué, Lopez. Traoré! Oh, je l'ai joué par ça. Ouais, Nabil. Il y a foot. Merci, gagné. Voilà. L'OL a picturé sa pause sur la pelouse du Football Club de Nantes. Les deux parties, hein, la vraie dire, elles ont été tournées le même jour. Hein, je vous l'annonce. C'était juste avant ce match, j'ai tourné l'autre. J'ai allumé la lumière d'ailleurs, puisque la nuit tombe. Bon, ça va, il fait pas si bien. Du coup, on est cinquième. Le PSG a perdu, d'accord. Alors, remettez-moi le classement. Je vais voir la Ligue à Conforama. Voilà. Donc, on revient plus qu'à 6 points du PSG avant de les affronter, d'accord. Ah, il y aura un alléchant Marseille. On fait quoi du coup?
de 1-0 face au J. Donc oui, voilà, on pourrait se retrouver à peu de points du leader, par exemple, ça serait Marseille, bon, peut-être pas. Remonter sur le podium sur les deux prochains matchs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Ok, je ne pas les saluts.